Une sur deux. Aujourd'hui, une personne sur deux est adhérente d'une association. On a un immense pouvoir. Il faut juste qu'on le fasse savoir. Cette élection présidentielle, elle n'est pas comme les autres. Et c'est pour ça qu'on voulait proposer une mobilisation qui, elle non plus, ne serait pas comme les autres. On a donc décidé de prendre le contre-pied de cette télé-réalité politique. Premièrement, en se rassemblant, en la jouant collective là où les partis et les candidats, eux, préfèrent se la jouer solo. C'est en rassemblant tout un tas d'associations, issues du monde de la pauvreté, de la lutte contre la discrimination, encore du handicap, de la jeunesse et évidemment des questions environnementales, que nous voulons porter ensemble un même message. Parce que finalement, qu'est-ce qui rassemble l'ensemble de ce tissu associatif mobilisé sur le terrain tous les jours? C'est de défendre l'intérêt général. C'est d'installer la solidarité là où certains préfèrent le repli sur soi et les intérêts privés. Et c'est ensemble que nous allons décider de porter ce message le 23 mars pour lancer l'appel des solidarités, non pas auprès des candidats justement, mais auprès des citoyens, en leur demandant de répondre présent, de nous aider à renverser le rapport de force, de nous aider à faire une place à ces sujets qui aujourd'hui sont laissés pour compte dans les politiques publiques. C'est l'écart de plus en plus important entre les politiques nationales et ce que veulent les citoyens. Par exemple, sur la question écologique, on sait à quel point les gens voudraient respirer un air moins pollué, manger plus sainement, avoir moins de perturbateurs endocriniens dans leur environnement, voire pas du tout, et avoir une énergie à la fois propre et pas chère. Et tous ces sujets ne sont pas du tout au cœur des priorités nationales aujourd'hui. Et ça, c'est pas normal. Premièrement, un Big Bang démocratique. Il faut tout changer, notamment notre constitution, pour s'assurer qu'enfin, on tient compte des enjeux de long terme, des enjeux écologiques. Deuxièmement, on propose un Grenelle de l'alimentation et de l'agriculture pour renouer le dialogue entre les agriculteurs et les consommateurs. Et enfin, une fiscalité écologique qui va taxer la pollution pour financer les solutions, la transition écologique. On répond présent à l'appel des solidarités.